Kobenan Ewibeya est la sage-femme du centre de santé urbain de Soko, localité située à 7 km de Bandoukou, dans la région du Gontougo. Elle a été honorée par les populations et les autorités du système sanitaire pour la qualité de son travail et son professionnalisme, ainsi que de sa proximité avec les populations du village. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Kobenan Ewibeya, sage-femme, est en pleurs. Ce sont des larmes de joie et d'émotion honorées par les populations de Soko, localité située à 7 km de Bandoukou, qui lui sont extrêmement reconnaissantes au vu de tous les sacrifices consentis sur fonds propres. Elle a donné un visage plus réalisant au centre. Une fois que vous êtes à la rentrée de la maternité, vous voyez déjà la décoration. Toi-même, vous êtes content. Même si tu es un garçon, quand vous venez, vous êtes content d'être là. Elle a décoré. Elle a même envoyé télévision, canal. Elle a mis tout pour que les femmes... En plus de se consacrer à la décoration du centre, elle paye de sa propre poche parfois les consultations et les ordonnances de certaines femmes enceintes dont les familles ont des revenus assez modestes. Les femmes ne venaient plus à l'hôpital. Grâce à elle, son ONG, on a pu sensibiliser les gens. Aujourd'hui, toutes les femmes viennent accoucher à l'hôpital. Mais aucune femme n'accouche à la maison. Vraiment, cette femme, on doit vraiment, en tout cas, l'apprécier, l'honorer. Ce que cette femme a fait dans le village de Soko, je suis très content d'elle. C'est une professionnelle de la santé qui a la main sur le cœur, célébrée par les populations au cœur du projet PBF, basé sur la performance, financé par la Banque mondiale, qui a pour objectif d'améliorer les prestations de santé et d'équiper les différents centres sanitaires. Ce projet a été une véritable réussite dans le village de Soko grâce à cette sage-femme dévouée au service des populations. Quoi de plus normal que les autorités du système sanitaire national l'honorent publiquement. Et vous ? Vous ne prenez pas ça à cœur. Si vous ne rendez pas ça aux populations, tout ce qu'on fait à Abidjan, c'est zéro. Merci beaucoup. Je vous félicite pour tout ce que vous faites pour la population. Il y a des sages-femmes qui aiment leur métier. Il y a des sages-femmes qui sont passionnées. Et moi, mon métier, c'est ma vie. Donner aux autres, c'est ce que j'ai de plus cher. Que les sages soient auprès de leurs femmes. Et je dis vraiment merci aux femmes de fréquenter les centres de santé. C'est pour elles qu'on est là. Kobenan Ewibeya est désormais la nouvelle coordinatrice santé mère-enfant du district sanitaire de Bandoukou. Très engagée dans les œuvres sociales, présidente d'une ONG, la Maison de l'Amour, au secours des détenus des maisons d'arrêt, des enfants orphelins et de familles à revenus modestes.